You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour ce troisième épisode de notre petite aventure sur Minecraft, sur cette map The Forest reproduit du coup sur le jeu. Ça fait plaisir avec le grand cratère juste derrière nous et pour raison. Aujourd'hui, nous allons l'explorer puisque vous l'aviez suggéré en commentaire. Donc, on va partir explorer cette... ce cratère, alors est-ce que c'est comme sur The Forest? Je ne sais pas, puisque sur The Forest, on a un accès à une grotte par l'eau, si je ne m'abuse, et j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Je sais également sur The Forest qu'il y a des grottes qui ressortent. Alors ce que je vois, c'est des minerais, donc ça c'est intéressant, du fer, du charbon. Il y a des grottes qui ressortent, et là en l'occurrence, il n'y a pas l'air d'avoir de grottes qui ressortent. Donc voilà, encore une fois, c'est pas vraiment The Forest pour de vrai, c'est la map qui a été reproduite, réimaginée sur Minecraft. Mais avant toute chose, les amis, je vais quand même vous montrer quelque chose. D'ailleurs, personne ne m'a répondu, je crois, sur comment vous préfériez l'avant de la base avec les bûches. Bon, ma foi. Ceci étant fait, j'ai découvert une grotte qu'on va d'abord explorer. J'ai miné en off, j'ai fait des petits escaliers. Je vais vous montrer ça d'un instant à l'autre. Là, je me suis fait des petites rambardes pour éviter de me faire piquer par les baies. Voilà, c'est la petite technique. Comme ça, ça évite bien des problèmes. Et puis voilà, pour le reste, rien de bien nouveau. Bah si, là, j'ai commencé... là, j'ai commencé à faire des plantations. Voilà, ça va être une petite base assez sympathique. Hein. Franchement, je me fais pas de soucis là-dessus. Du coup, on va descendre directement donc dans la mine opti. Puisque du coup, j'ai trouvé une grotte. Forcément, je me suis un petit peu aidé de la minimap en haut à droite. Autant en profiter, c'est le but du jeu, clairement, on va pas se mentir. Juste ici, hop. Et voilà, ça se passe ici, messieurs, dames. Il y a une grotte qui nous attend, voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va voir comment on va y accéder également. Qu'est-ce que c'est que ce bloc? Ah ah! Dripstone bloc. Ah ok, c'est un bloc qui existe. C'est pas un bloc spécial, je sais pas quoi, c'est, d'accord. C'est Vanilla, je savais pas. Oh. Oh. Est-ce qu'on y va à la One Again ou pas, en vrai? Allez. Allez, le MLG foiré. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Ah, mais y a rien. Ah, oh, je suis déçu. Je suis très déçu. Mais c'est une jolie, jolie liane. Alors, on a des champignons. Ça, c'est quoi? D'accord. Ça, c'est les petites berries, glowberries. Alors, je sais pas du tout si avec les mods, on va pouvoir en faire quelque chose, mais c'est toujours très joli. Ça fait des belles décorations. Donc, pour notre base, en vrai, on dira pas non. Donc, je vais quand même récupérer. Par contre, j'aimerais bien récupérer ça aussi là-haut, là, la petite fleur rose, là. Voilà, magnifique. Hop, je récupère. Et donc, il n'y avait rien d'autre. Un petit peu déçu. Bon, on a dû faire. Un petit peu déçu. Voilà, je m'attendais quand même à commencer un épisode avec une belle grotte. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait pas du tout. Alors on est couche 25, hein, donc on va pas s'attendre non plus à grand chose. Allez, on a nos premiers minerais de lapis et du charbon et encore du fer caché. Ça évidemment on dit pas non, clairement. Ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Voilà, normalement la vidéo sortira le week-end. Alors forcément oui, ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu d'épisode. Presque une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo tout court. Donc forcément voilà, mais au moins voilà. Allez, c'est parti. Je rappelle, hein, c'est une mini-série, hein. Vraiment c'est un petit let's play à la cool qui va peut-être durer 4-5 épisodes grand max, sans pression. Oh, un minerai d'or, j'avais pas vu. Mignon, il était caché. C'est tout. Allez, déçu, très bien, mais je suis vraiment déçu. Mais c'est pas grave. Hop, on remonte. Donne-moi des blocs. Non. Oui. Voilà. Allez, et bah écoutez, ça va être l'occasion et bien de partir en grotte. Moi, de toute façon, hors vidéo, je descends, hein, je fais du minage opti. Donc c'est pas un souci. Si jamais je trouve quelque chose, j'en ferai un épisode. Mais là, pour l'heure, on va s'occuper donc. Oh, il pleut. On va s'occuper de la grotte. Est-ce que du coup, si je mets les... Ah mais non, Glowberry. Mais j'ai rien... J'ai pas récupéré les... Ah si, c'est bon. Parfait. Voilà, parce que la question que je me pose, c'est si je fais ça... Ça va faire un truc joli. Normalement, ça va pousser et tout. Ça va être super mignon. Franchement. On va en mettre un petit peu partout, les gars. Ah oui, ça pousse déjà. C'est incroyable.
hop, hop. Voilà, et puis un petit dernier là. Voilà, on avisera. Et puis on a de la nourriture, mais vraiment illimitée ici, c'est phénoménal. Voilà. Allez, bah écoutez, on va faire peut-être passer la pluie si c'est possible. Pas du tout. Ah, ils considèrent pas ça comme une mauvaise journée, très bien. Why not? En attendant, je vais mettre le fer ici, même s'il est pas cuit. L'or ici. Ah non, l'or était là. Et le reste pour le moment. Alors attendez, charbon. Ah oui, alors ça c'est bien, c'est qu'on peut éditer. On peut éditer les panneaux en cliquant dessus. C'est incroyable. La terre. Hop. Pourquoi j'ai appelé ça de gravité alors que la terre n'a pas de gravité? Je ne sais pas. Dripstone block, c'est de la stone, donc on va mettre ça dans pierre. Et puis ça pour le moment ici. Voilà. Ok, bah écoutez, on va. Bah j'aimerais bien descendre, mais il fait pas beau là. Puis il neige en plus. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Ah mais le soleil se couche. Ah bah écoutez, bah c'est pas un problème. On va attendre que le soleil se couche et on va dormir. Allez, c'est parti, on dort. Et j'en ai profité pour me refaire une pioche en fer en rab. Parce que c'est vrai que celle-là va claquer. Et on a un magnifique lever de soleil encore une fois. Donc c'est plutôt, plutôt chouette. Allez, on va descendre. De toute façon, on s'en fout de comment on descend en soi. Parce que bon, alors c'est vrai que c'est quand même profond hein. C'est quand même très gigantesque. Attention tout de même. Voilà, parce qu'avec les MLG que je suis en train de vous proposer. Ah là, Mkolo il a changé hein. Il a plus le même niveau sur Minecraft. Je suis un dinosaure. Alors on va en profiter pour récupérer les minerais, évidemment. Alors attends, hop. Donc là, du coup, le charbon, évidemment, c'est pour Bibi, hein. C'est pour Bibi. On est là pour ça, clairement, parce qu'à mon avis, on va pas trouver. Voilà, spoiler alert, on va pas trouver grand chose dans ce cratère. Rien de bien incroyable, hein, si vous voulez mon avis. Mais au moins, on aura des minerais et ça, c'est cool. On dit pas non, évidemment. Avec le bruit qui résonne, incroyable. Hop. Voilà, on aura plus de charbon que de fer durant l'aventure. Ça, c'est clair. Mais ouais, du coup, on va peut-être aussi faire un peu le tour, entre guillemets, du cratère. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas l'impression de voir des grottes ressortir. Ah oh, bah, il y a du fer ici. Il y a du fer. Ok, tout ça pour ça. Allez, on descend encore un petit peu. Je sais aussi qu'il y avait, sur The Forest, il y avait des gros mutants qui t'attendaient en bas. Ça, c'était incroyable. Est-ce que vous voulez que je refasse un let's play sur The Forest, les amis? Je suis en train de me mettre dans la sauce avec mes questions. Mais bon, il n'y aura peut-être pas de réponse, donc ce sera plus simple. Mais j'y pensais l'autre jour à refaire un let's play sur The Forest. Mais en même temps, je suis pas trop sûr de si j'ai vraiment envie ou pas. Les souvenirs sont là, c'est le plus important. Ta gueule. N'importe quoi. Alors, on est couche moins 55. Ah oui, forcément. C'est incroyable, on a notre premier diamant les gars. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Allez! 3 4 Eh bah ben, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà un bon début. Je m'attendais pas forcément à trouver du diamant. Donc ouais. Je suis pas déçu. Vous entendez ces bruits là? Il y a des bruits super bizarres. Comme des bruits de slime. Ah bah. J'entendais les bruits de slime. Et bah voilà. Impeccable. Impeccable. Ils sont là, les copains. Les coquins. Oui, ce que vous voulez. Ah, c'est cool. C'est vous qui faites du boucan là, les gars. Hop, ça dégage la racaille. Ils m'ont fait super mal là. Attends, il m'a fait super mal là, le gaillard. Attends. T'approches pas si vite, toi. Voilà. Donnez-moi des slimes. Merci. Bande de racailles. Ça c'est de la racaille. Mais ça fait plaisir de revoir des slimes les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de slime. Vraiment c'est... J'ai l'impression de redécouvrir Minecraft dans ses premières versions. Sur une map super flat. Incroyable. Incroyable mais vrai. Bah attendez, on va être à la recherche du diamant du coup. Parce que ben voilà, maintenant on sait qu'on peut trouver du diamant là. Clairement, mais même pour miner au petit, c'est quand même plus pratique de passer par là que de faire ce que je suis en train de faire. Incroyable. Alors, bah, pas grand chose, il y avait juste les slimes quoi. Allô? Y a quelqu'un? Bon, en tout cas, les slimes faisaient office de gros boss. Les gros boss dans le cratère de The Forest. C'est déjà ça.
Ah, j'entends Enderman aussi. Si jamais vous avez l'œil et que vous voyez du diamant, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, évidemment. Hein. Ah, 3 minutes 12, j'ai vu un diamant. N'hésitez pas, même si je ne pense pas, parce que j'ai l'œil affûté. Ah, il est là-bas, l'Enderman. Il est là-bas, l'Enderman. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se le faire? Tout à fait, parce que je rappelle qu'il faudra qu'on trouve éventuellement un Stronghold. 6 Stronghold il y a, comme ça, on pourrait se faire l'Enderman. L'Ender Dragon, pardon. Que dis-je? Bah écoutez, on va essayer de se faire l'Enderman du coup. S'il s'est pas barré. Monsieur. Il est là-bas. Ah ouais, non mais là, il fait le coquin, il se téléporte de partout. Monsieur. Non, là, faut arrêter. Comment tu veux que je t'attaque? Allez, on va se faire une structure de protection. Hop. Ça devrait faire le taf. T'es où, mec? Là. Viens là, mec. Voilà. Tu vas rien faire, mon gars. Hop. 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 Aïe. Et voilà. 2 Ender Pearls. Ah, mais c'est vrai, j'ai looting 3. Non, c'est incroyable. C'est vrai que j'ai looting 3 sur cette épée, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais ça change la donne. Ça change clairement la donne. Alors attention, on va pas faire d'erreur avec ces Ender Pearls. Il faut absolument qu'on les garde. Oh. Ouais, je viens de trouver une touche. Incroyable. Superbe. D'accord. Eh ben c'est bien, on peut mettre des petits marqueurs. Superbe, ça change absolument tout à... Ah, c'est pour voir la... Ah d'accord, ça s'enlève instantanément quasiment. C'est pour voir les distances. Genre là, pour arriver jusque là-bas, il y a quand même 150 mètres quoi. D'accord, bon. Voyons quand même au milieu de la du cratère, parce qu'on était là pour ça du coup. Est-ce qu'il n'y a pas un accès pour arriver à une grotte, quelque chose comme ça? J'ai pas l'impression. Par contre, si on regarde la carte... Vous pouvez voir, c'est quoi ces animaux là? What? Ah mais c'est des tortues. D'accord, des tortues. Alors ça, ce serait incroyable sur The Forest s'il y avait des tortues ici. Hein. D'accord, c'était les tortues. On est sûr que c'est les tortues? Parce que j'en vois 3 sur le GPS, mais j'en ai qu'un seul là. Non, non, c'est pas les tortues. Ah si, un deuxième là et un troisième là. Ah ouais, c'est ça, c'est les tortues. Donc, il n'y a pas de grotte. Hein. Et il y a des slimes, par contre. Oh! Incroyable! Oh! Ok, bon, c'est pas ouf. Comme loot. Fortune 2. Non, mais mec. Bon, ça, c'est ouf. Voilà, on va le dire. On va pouvoir miner. Alors là, j'aurais peut-être pas dû prendre le diamant. J'aurais dû attendre, tu vois. Oh, incroyable. Il y a des coffres cachés, mon gars. Ah ouais. Bon tu vois c'est pas incroyable hein. C'est pas incroyable. Mais ça a le mérite d'être là. Et ça donne envie de pousser l'exploration. Attendez hein. Mon instinct d'aventurier D'accord. Ah c'est incroyable. Ah c'est vraiment chouette. Là il y a de nouveau des slimes. Bon, il y a certainement d'autres coffres cachés. Ah, c'est vraiment lourd, ça. Ça, c'était une très très bonne idée. Par contre, un truc que j'ai pas pensé, c'est que le soleil se couche. J'ai rien pour dormir. Et dans ce genre d'endroit, je peux te dire que les monstres, ça va fuser. Hein. Donc, on va pas traîner. On va remonter. Et puis, ce sera très bien. Et on voit la hauteur, 150 mètres. Très bien. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'était plutôt sympa, cette petite expédition dans le cratère. Qu'en avez-vous pensé? Je ne sais pas. Moi, j'ai bien aimé. Oh, bah, j'ai le bloc de terre aussi. C'est pas mal, ça. Alors, j'ai eu une idée à l'instant T. Attendez. Il y a une grotte. Il y a une grotte. Il y a une grotte. Je retire tout ce que j'ai dit. Alors, laissez tomber l'idée que je voulais vous proposer. Hein. Je voulais juste explorer dehors. Mais au final, on va faire beaucoup mieux. Alors, on va enlever le shader. On va clairement enlever le shader parce que sinon on va rien voir. Disabled, apply. Oh, c'est instantané en plus, mais c'est incroyable. Bon! Eh ben alors là, mon pote, on va bien rigoler. C'est quoi ça? J'espère que c'est pas méchant. Non, c'est des petits scarabées. Hop.
Merci bien. Oh, c'est incroyable. Alors par contre, c'est une vraie grotte custom, hein. C'est pas une grotte générée aléatoirement. Donc ça, c'est vraiment top. Je pense même que c'est une grotte à la The Forest. Oh non. Ah bah j'ai tenté, hein. J'ai tenté, je me suis dit ça passe. Et en fait, c'est pas passé. Ah, superbe. Petite toile d'araignée, de la redstone, je prends. Ah oui, c'est des taches de sang. Incroyable. C'est une grotte à la The Forest, messieurs, dames. Ça fait plaisir. Ah, c'est cool. Alors, je récupère les lanternes, hein, je te le dis. Il n'y a pas de petites économies pour la décoration. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, ça va être un peu plus complexe que prévu, je crois. Ah ouais. Ah ouais, ils ont mis des... genre les indigènes et tous les cannibales. Superbe. Superbe. Alors, comme il y a un spawner au bout, à mon avis, je peux faire ça à l'infini, quoi. Eh oui. Alors, je viens de voir un truc qui me dérange un peu. C'est que, regardez, ici, il y a un accès. Ah oui. En effet. J'ai pas d'arc sur moi. Ah non, j'ai une arbalète, encore mieux. J'ai une arbalète, mais j'ai pas de flèche. Arrête! Je rigole. Je rigole. Cannibale! Oh, voilà. Un cannibale, excellent. Et voilà, mauvais présage. Ah non. Attendez, hein. Attendez que je stack ma nourriture. Voilà. Est-ce que j'ai des flèches? Non, j'ai pas de flèches. Hein. Fais chier. Bon, je vais rush à droite. Aïe! Ah ouais, non, mais ça part dans tous les sens. Ah ouais, d'accord. Allez, je... bonjour. Oh, le nul. Voilà. Je rush à gauche. On va essayer de torcher un maximum. On va essayer de torcher un maximum. Oh, ils ont pas l'air méchants, les carapaces, là. En vrai, dégage-toi. Attends. Attends, tout le monde va y passer, y a pas de problème. Y a pas de problème. Je ferai pas de jaloux, c'est promis. Voilà. Ah ouais, non, mais les gars. Les gars. Les gars. S'il vous plaît. Arrêtez. C'est une map CTM ou quoi, là? Attends, le creeper. Voilà. Wow! On se déteint. Alors, ça part dans tous les sens. C'est une vraie grotte à la The Forest. J'aime ça. J'aime ça. Et en même temps, j'aime pas trop. Alors, ce qui est pas mal, ouais, c'est qu'il me reste 3 torches. Mais j'ai du bois. Oh, j'ai de la chance. Oh, heureusement que j'ai du bois. Hop, hop, et voilà. Bon, c'est pas ça qui va changer la donne, hein. Je vais mettre la chair putréfiée pas loin parce que ça fait de la nourriture. Du coup, ça m'attaque pas? Oh, c'est génial. Ça, c'est génial. Eh, c'est un peu plus safe. Voilà. On va vite torcher là-bas pour pas que ça spawn. Parce qu'à mon avis... à mon avis, quoi. Wouah, je lui ai renvoyé la flèche! Voilà, il y a du charbon, parfait. Là l'idée c'est de safe. Ah oui. Ah là il y a du... là il y a du problème là. Il y a du problème. Non mais les gars, calmez-vous s'il vous plaît. Je vais économiser mes... ma nourriture, j'utilise la chair putréfiée, hein. Je m'en fous. Mais comme je sais pas combien de temps on va être amené à être dans ces grottes. Ok, il y a un Enderman, rien de bien incroyable. Ok, ça va. C'est surtout des creepers et des zombies. L'Enderman, il est gentil. L'Enderman, il est gentil. L'Enderman, on va le tuer, surtout, ouais. Pour les Enderpearls. Il y en a même deux. Non, il n'y en a qu'un seul. Oh non. Attends. Hein. Je temporise. Parce que j'ai vu un squelette. Voilà. Oh non, il y a une witch. J'ai entendu une sorcière. Oh, ça c'est moche.
Meurs. C'est bon. Non. La sorcière. La sorcière. La sorcière. Bon, attendez, Enderman. Priorité au direct, BFM. Attendez, hein. Voilà. Voilà. Viens par là, Coco. Oh, il me fait peur, hein. Aïe. Voilà. Voilà. Parfait. Attends, hein. C'est bon. J'ai 3 Ender Perles. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors venez, je vais juste récupérer le charbon précédemment trouvé, puisque là c'est safe. Comme ça on va pouvoir refaire des... Je dis des torches, mais non, j'ai plus de bois de toute façon. Ah si, j'ai encore des sticks, c'est bon. C'est le charbon qui me manque, c'est parfait. Oh là là, c'est incroyable ces grottes. Je sens qu'on va se régaler. Alors ce qui est cool en vrai, c'est qu'on a le GPS en haut à droite. Il est vrai, donc le GPS. Mais je parle vraiment comme un vieux maintenant. Je suis plus du tout Minecraft moi. Avant on appelait ça une map. Non, j'appelle ça un GPS. Oh, le routier quoi. Forcément. Non mais c'est incroyable, là au moins on voit les galeries quand même. Ça nous permet un peu de s'imaginer et de se retrouver à peu près. Je pense qu'il y a moyen qu'on se perde pas trop. Ce serait assez, assez cool en vrai si on se perdait pas. J'avoue. Parfait, on a un petit peu plus d'un stack. Alors j'en profite, je remange de la chair putréfiée. Oh. Ah dommage, j'ai quand même été contaminé, dommage. Alors, où est la witch? On va enlever ça, ça va nous enlever des petits problèmes. Ah bien. Ah c'est à peine pas chiant ça. Ah là là. On a un boss ou quoi là? Oh putain. Bon ils s'attaquent entre eux, c'est pas mal. Non, non. 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 Ils s'attaquent entre eux. Attaquez-vous entre eux. Entre vous. Attaquez-vous. Attaquez-vous. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais. Oh. Ils se sont tués entre eux, les cons. Ah, heureusement, ils sont bêtes. Bah, c'est comme sur The Forest, hein, les cannibales et les... Oh. Alors, toi, mon pote, il m'a looté quoi? Attends, il m'a looté un truc spécial, mais j'ai pas vu. Attends, du coup, j'ai des flèches ou pas? Oh, parfait. J'ai des flèches. J'ai 24 flèches. Je sais pas ce qu'il m'a looté de... Ah là. Il m'a looté quand même un truc. Je vais jeter quoi? Qu'est-ce que je peux jeter? Oh non. Ça. Forgotten Hat. Qu'est-ce que c'est que ça? This belong in a museum. D'accord. 100% de chance. Ah, ça donne de la chance. Ok, ça vient du mode Quark. Bon, pour le moment, je vois pas à quoi ça sert. Eh, tu commences pas à me choper par le callback. Ok. Bon là le problème c'est que ça spawn à l'infini je pense, hein. Allez je rush. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Oh non l'erreur. Non impossible. 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 Oh la chatte à la gigine. Pardon je suis vulgaire mais là. Là, on l'a échappé de très, 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 très peu. Oh là 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 là, l'erreur quand même que je viens de vous proposer à ne pas reproduire, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, j'ai ça qui sert à rien. À la place, on va mettre la Golden Apple. Les blocs trop importants. Oh là 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 là, terrible ce qui vient de se passer. Terrible. Là, on n'avance pas, là. On est bloqué sur cet accès. Ah c'était une bonne idée d'explorer le cratère en vrai. C'est cool, je suis content. Je regrette pas vous avoir écouté. Allez vite. Du diamant, j'ai vu du diamant les gars. J'ai vu du diamant. J'essaie d'éclairer un max parce que je me dis que si je reviens ils vont plus spawn. Dégage. Allez. Je vous esquive. Salut les gars. Ouais. Aïe. Non. Non. Ok. Alors ça les gars, appelez-moi appelez-moi le directeur. Ah ouais mais regardez la minimap en haut à droite. Wesh. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Ah non.
J'ai foiré ma flèche, ils sont trop nombreux, hein. C'est incroyable. Hop, gros naze, va. Bâtard. Ok, je récupère tes petites flèches. Hop. L'esquive de la loutre, incroyable. Ça c'est bon. Creeper, vas-y pète. Voilà, ça fait un petit accès. C'est toujours sympa. Ok. Oh non. Ah, les bébés zombies, c'est un enfer. Comment je vais faire? Je ne sais pas. On va rattraper l'autre partie de la grotte, peut-être. Parce que du coup, il n'y a plus de monstres maintenant, peut-être. C'est ça qu'il faut voir. En fait, c'est ça la technique, faut alterner. Vous allez voir, ils vont tous despawn là-bas. Ils vont tous despawn quand on va y retourner. C'est la technique du lâche. Mais la technique du lâche marche toujours. Hein. Je crois. Voilà. Bon, déjà, là, il n'y a plus de monstres. Je récupère la petite lanterne. Hein, faut pas déconner non plus. Ah, par contre, là, ça risque de spawn quand même. Donc, hop. Voilà, petite sécurité. Et là, regardez. Ah, si, il y a toujours des monstres. Il y a toujours plein de monstres là-bas. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je veux même pas savoir. Ah, ouais, il questionne spawn 1 en fait. Ah, ouais. Ah ouais. Alors il faut mourir hein, quand même. Faudrait songer à mourir. Comment il fait pour aussi bien viser? Attendez. Je panique. Je panique. Oh le nul. Voilà, attaquez-vous. Attaquez-vous entre vous. Vous êtes bien mignon. Ça fait peur Minecraft en vrai. Hein. Ah oui, il faut sauter. Putain, le squelette il est encore en vie, le salaud. Allez! Allez! Voilà! Bon, et toi là-bas, ça la racaille? Wesh. Ah, t'es là. Voilà! Bon, là-bas, il n'y a plus que des creepers. Ah, ça, j'aime pas ça. C'est quoi ce monstre-là, ce mob-là? Hop! Coup fatal. Bon, toi, t'es gentil ou pas? Oh non. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Bon, attends, j'ai encore des torches. Hop, vas-y pète. Voilà, c'est bon, ça fait diversion. Vas-y, pète. Oh viens, on fait un CD. Oh, fais un CD. Ouais. Oh les mecs, incroyable. Oh je suis si refait. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh là là, il y a trop de trucs. Oh non. Oh non. Wesh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Y a un truc qui m'a fait trop peur. Non. T'as vu? T'as vu ce que c'était? On a eu un CD par contre. Genre je suis trop content d'avoir fait ça. C'est le genre de défi qu'on faisait à l'époque sur Minecraft et que j'arrivais jamais. Et là, pouvoir le faire comme ça. Je suis assez curieux, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, mais j'ai peur là. Ah, mais c'est lui qui fait ce bruit. J'ai vu un truc voler avant. J'ai vu un truc voler avant. Alors, il y en aura pour tout le monde. Hein. Hop. Oh là là. J'esquive les gars. Ah dommage. Ok, ce sera déjà ça en moins. Voilà. Magnifique, merci pour l'émeraude mon gars. Oh c'est incroyable. Et je suis pas mauvais hein. Je suis pas mauvais hein. Oh là là, je m'étonne quand même hein. Je m'étonne. Donc ça c'est gentil, visiblement. Ça c'est méchant.
Et c'est gigantesque en vrai. Ah! Plein de cannibales là-bas. Oula! Ah ouais! Ah ouais! C'est pas Jojo là. Vas-y, j'éclaire une petite zone. Ce sera déjà ça. Allez, je me barre. Je pense qu'on en a assez vu, les amis. On va juste quand même essayer de conclure. Enfin, conclure, si je peux dire. On va juste aller regarder bah là où on a galéré tout à l'heure, pour voir si ça s'est calmé ou pas, si on peut récupérer le diamant éventuellement, même si sincèrement je suis pas sûr. Bon là, faudra évidemment voir cette branche là. Mais ouais, on va aller voir comment ça se présente maintenant. Mais moi je suis curieux, attendez, on va ouvrir la carte. Suivez la carte, suivez la carte. Voilà, on est là. Et là on va aller là. Voilà. Donc il y a encore des monstres, hein, ça a pas despawn. Mais on peut voir à peu près. Ah ouais. Ah, on a un premier cul-de-sac qui se dessine à nous. Ah ouais, c'est un. Non mais c'est. Oh, il y a le Warden, le big boss de Minecraft que j'ai jamais affronté qui est là. Là on a des trucs qui nous attendent de ouf. Ah, oh, what the fuck. Ah ouais, non mais là on va éviter de trop se spoil, mais là il y a des grottes. C'est des grottes infernales en fait. C'est des grottes infernales. Alors, est-ce qu'on va réussir à récupérer le diamant? Telle est la question. Il faut que je fasse de la place parce que sinon je risque de le détruire. On va acheter la Spider Eye. Et on va aller essayer de voir si on peut récupérer le diams. Mais je n'y crois pas. Hein. Je vous le dis direct, je n'y crois pas. Je dois vous stresser à manger la chair putréfiée. Allez, ça sent pas bon, mais on y va. C'est fait. On l'a fait. Bah vous voyez, c'est quand même. Si j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait en vrai. Parce qu'ils ont quand même despawn ceux qui étaient là. Et ils spawnent plus à la lumière. Par contre après c'est chaud quand même. Donc là tu vois davantage, t'avances et t'éclaires et tu te barres. Et voilà, ça a l'air d'aller là-bas. Ça a l'air d'aller là-bas. De toute façon j'ai plus de torche là, donc ça sert à rien. Oh, le zombie me capte de loin. Et là-bas, y'a quoi là-bas? C'est un cul-de-sac peut-être. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac là-bas. Mais c'est pas dit que ce soit un cul-de-sac. Bon, on verra ça les amis. De toute façon, j'ai plus de torches. J'ai plus grand-chose. Et on a du diamant, une ender pearl, un CD. On a récupéré quand même en vrai pas mal de choses. C'est plutôt cool. Bon, on va ressortir. J'espère qu'il fait jour. Ce serait pas mal parce que s'il fait nuit, ça serait un petit peu chiant. Pour remonter tranquillement. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Même si je pense que voilà, les prochains épisodes seront quand même bien axés sur les grottes, je pense qu'il y a quand même plus de choses à voir en grotte qu'à l'extérieur, malheureusement. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas trop. Regardez le jeu sans shader comme c'est beau. Ça fait du bien. Bah voilà, mais écoutez, on va remonter. Ok les gars, je vous reprends parce que je suis en train de remonter. Et là, regardez ce que je viens de trouver. Ah, ah ouais. Ah bah ça va, c'est pas incroyable. Je croyais qu'il y avait un monstre bizarre là. Alors, attendez, parce que là, ça va faire mal. Et ça, les gars, c'est juste en dessous de notre base. Hein. Oh non. Arrête! Monsieur, bonjour. Alors, attends, parce que là, je peux pas... tant pis, je vais devoir utiliser mes lanternes, je suis dégoûté. Ah ouais, il y a encore une grotte, non? Attends. Toi d'abord. Voilà. Ah non, c'est bon, c'est un cul-de-sac. Ok, il y a rien, c'est bon. Ok, il y a rien... Juste une araignée. Je récupère l'or. Voilà. Ah, je me suis chié dessus. Je suis en train de galérer à monter. Attends, je vais manger le poulet. Même s'il est cru, c'est pas grave. Je suis en train de galérer à monter depuis tout à l'heure. Donc d'ailleurs, ce que je ferai, les amis, c'est mort. Hein. Je ferai clairement un accès. Je ferai clairement un accès avec un escalier ou quelque chose comme ça pour accéder au cratère. Parce que là, c'est une galère. À descendre, c'était facile. Mais là, à monter, j'en peux plus. C'est super chiant. Hein, je vous fais une coupure, mais c'est super chiant. Mais par contre, ouais, je viens de trouver cet endroit et je crois qu'on est du côté de notre base, si je dis pas de bêtises. C'est assez marrant de pas avoir conscience qu'il y avait ça en dessous de nous. Bah ouais, notre base, elle est pas... je suis pas débile, elle est au-dessus de nous, notre base. Bon, allez, je vais essayer de continuer de monter encore et puis... Puis on se retrouve juste après quoi. Ouais, donc je confirme, hein, c'est juste en dessous. C'est vrai que on avait jamais fait attention. Donc au final voilà, ça vient ce que je viens de dire. Il y a quand même des grottes qui sont
un petit peu dissimulé autour du cratère qu'on voit même pas forcément. C'est assez impressionnant, tellement c'est grand en fait. Bon après c'est juste en dessous de nous, c'est aussi pour ça. Mais en tout cas voilà, ouais, je ferai un accès, ce sera quand même bien plus simple. Ah, de retour à la maison. Ça c'est cool, ça fait du bien de retourner à la maison. Alors on va en profiter maintenant qu'on y est. On a du charbon. Hop, attends, hop. Voilà, on va pas tout utiliser non plus. On a du fer à faire chauffer. On a de l'or également. Et c'est déjà pas mal. Alors, on va faire fondre ça. Alors, hop, merci bien. Hop, et... Ah, attends, terrible ça. L'or, voilà. Tac, on va ranger ça dans la pierre. Voilà. Je me démerderai pour le reste. Donc là, la base, je vais la continuer. Oh, des carottes qui ont poussé, c'est cool. Bon voilà, on avance tranquillement. Et là, on va pouvoir mettre des petites lanternes aussi, ça fait plaisir. Bon, on peut les fabriquer, hein, clairement, hein, mais voilà. La flemme. Oh, et puis le soleil qui se couche, c'est parfait. En tout cas, voilà pour l'exploration du cratère. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Donc ouais, vraiment, va falloir explorer les grottes. Ça va être terrible. Surtout quand je vois le Warden qui est là et qui nous attend. C'est vraiment impressionnant. Heureusement, on a maximum de nourriture ici. Et on va essayer de tout miser avec la vraie agriculture là. Parce que c'est quand même beaucoup plus nutritif. Donc j'ai mis de l'eau là aussi, hein, les gars. Hein, pour ceux qui demanderaient, j'ai mis de l'eau. Mais manifestement ça prend quand même du temps à pousser. Donc voyez voilà. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Et à la prochaine pour la suite de cette aventure. Voilà tout simplement. Allez, c'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Eh wesh flex. Eh wesh flex. Get mes réflexes. Get mes réflexes. Emoji biceps. Emoji biceps. Mkolo the best. Mkolo the best.